Bonjour Théo, je vais te faire la main droite de l'envie. Du coup, donc c'est celle qui a un peu plus le plus de travail, je pense. Donc, au début, te trompe pas de gamme, il y a un fa dièse, d'accord? Voilà. Nous sommes en mi mineur en fait. Voilà, et après on passe en do mineur. Quand il y a les trois bémols. Tu peux te les entourer. Bon, je vais te les entourer tout de suite. Enfin, je crois qu'ils sont déjà entourés en fait. Voilà, là il y a un fa dièse aussi. Alors, donc le début, premier accord, sol, si, mi. Regarde bien les doigtés que je t'ai mis. Hein. Au niveau du rythme, donc on est en ternaire. Donc une blanche pointée, c'est. Non, c'est. Oui, donc une blanche pointée, c'est deux temps en ternaire. Hein, c'est pas trois. Donc ça. T'as quatre temps dans la mesure. Hein. T'as trois croches partout. 1, 2, 3. Donc sol, si, mi. 1, 2, 3. Après, fa dièse, la, ré. Et tu reviens sur le sol, si, mi. 3, fa dièse, la, ré. On bouge, do, mi, sol. 2, ré, fa dièse, la. Après, si, mi, sol. Je vais aller un peu moins vite, peut-être. 2, la, ré, fa dièse. Mi sol 2 3 ré fa dièse la si mi sol do mi sol ré fa dièse la sol si ré 2 3 4 ça c'est pour la première page deuxième page la do mi ré dièse fa dièse si mi sol la do mi sol si ré dièse fa dièse 2 3 4 voilà donc ça c'est pour les accords du début bien faire attention au rythme voilà les blanches pointées deux temps noires pointées un temps. Et attention aux mesures qui changent, parce que du coup tu passes de 12-8 à 9-8. Donc tu as une mesure à 4 temps qui se transforme en une mesure à 3 temps et qui revient dans une mesure à 4 temps. Ensuite, je vais prendre donc à partir de la mesure 13, donc la deuxième page, deuxième ligne. Donc là, c'est des accords un peu arpégés. Voilà, ça tourne un peu toujours autour des mêmes notes, des accords arpégés. Donc c'est si, mi. Tu peux les plaquer par accord. Hein. Par exemple, le si mi. Tu fais ça. Peut-être pas là. Au moins au début, un petit peu, ça marche. Puis après. Bon, en tout cas, va pas trop vite. Regarde bien les doigtés que je t'ai mis et regarde bien les notes. Et ensuite, essaye d'avoir un petit mouvement de. Ça tourne. Trois bémols, do mineur, si bémol, mi bémol, la bémol. Do, sol, donc on a
est à la fin de la deuxième balle. Sol, do, sol, do, sol, do, sol, do. Mi bémol, donc troisième page, mi bémol, la bémol, do. Mi bémol, la bémol, do. Fa, la bémol, do. Ça change. Fa, si bémol, ré. Reprise du coup, sol, do, sol, sol, do, sol, si bémol, ré, sol, si bémol, ré, sol, si bémol, mi bémol. Là tu vois, au lieu de faire si, mi, si, sol, mi, si, moi je ferais si, mi, sol, je suivrais le même mouvement. Ça recommence du coup. Je vais te reprendre la troisième page. Je vais pas tout renchaîner. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Donc troisième page maintenant pour la deuxième fois du coup que tu as joué le début. Donc pour la deuxième reprise. Donc troisième page mesure 22. Pas toi. Nous en fait on va jouer, donc je vais te l'écrire, le haut, et ici on reprendra ici, voilà, avec un petit peu de traficotage, voilà. Donc nous on joue ça, le si mi ré la, ça fait si mi ré la do sol ré la si mi ré la do sol, ré la, do sol, ré la, sol do, la ré, la mi, la fa dièse, do sol, ré la. Donc je vais te le refaire. Au niveau du rythme, c'est pas facile parce que c'est que des contretemps. Si je fais, tu vois, ça va être ti, et, la, et. Attends, je vais faire avec la main gauche. Donc les temps, je vais te les noter, comme ça c'est fait. Ti et la ta ta ti ta 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 do. Oui, c'est ça. Ti, ta, ta, pa. Ah voilà, des fois t'es dessus, des fois t'es pas dessus.
on le travaillera, j'espère, ensemble. Enfin, si on peut se revoir, mais normalement, oui. Ça te fait progresser en rythme, ça. Mi, mi, mi. On fait pas la descente, on attend, et donc... Les notes, c'est mi, sol, la, si, ré. On fait juste le premier groupe. Voilà. Et on fait juste le premier groupe qu'on répète. Voilà. Et après, tu plaques l'accord. Sol, voilà, si, ré, fa. Donc ça va être mi, sol, si, ré, fa. On va faire quand même un petit effet. Donc il y aura la pédale. Donc mi, sol, la, si, ré. 1, 2, 3, 4, 5. Hein. Et tu redescends. Voilà, c'est pas vraiment ce qu'il y a décrit. Hein. Ce qu'il y a décrit, c'est ça. Mais c'est super dur à faire. Donc on va faire plutôt ça. Ça fera très joli. Et tu plaques l'accord. Si, ré, fa, bécart. Voilà. Ensuite, la suite main droite. Donc, la suite... donc t'as 3 bémols. Par contre le rythme a changé, c'est ta ta ti ta ta ti ta ta ta, bien binaire hein. Alors après tu les joues un peu comme tu veux. C'est écrit d'une certaine façon. Donc... Mais si tu veux faire ça. Bon, on va faire ce qu'il y a d'écrit, mais voilà, c'est vraiment une harmonie. Hein, c'est par accord. Travaille-les d'ailleurs par accord. Hein. Tous ces passages-là. Pour t'entendre bien aussi. Alors, juste, je voulais te montrer dans ce pas. Donc, j'étais ici hein, quand je me suis stoppée. Donc, toi, tu feras l'intérieur, les accords. Tu continues, tu fais pas do, ré, di, da, da, da. Voilà, ça, c'est le solo de guitare. Donc, je vais reprendre la deuxième ligne. Donc, mesure 56. J'y vais. Do, la, mi, bémol, mi, bémol. Do, la, mi, bémol. Si bécart, si sol, ré, si, do, sol, ré, do, sol, ré, do, sol, ré, si bémol, ré, si bémol. Donc vraiment ne pas oublier les bémols. Sol, do, ré, sol, do, ré, ré, sol, do, ré, ré, sol, si bémol, ré, do, ré, sol.
bémol, sol, do. Voilà, donc ce serait pas mal, au moins tu vois la première partie, si on arrive à ouvrir la semaine prochaine. Et si on n'arrive pas à ouvrir la semaine prochaine, et ben on travaillera plus tard. Et j'aimerais bien que tu m'envoies des vidéos de ça un petit peu. Voilà, ce serait super. Bah, au plaisir de te retrouver. À bientôt.